De retour pour une nouvelle vidéo de Carp 722 dans un étang privé. Donc aujourd'hui je pêche au lancer, comme vous pouvez le voir, avec une grosse canne casting que je viens de m'acheter, une redfish avec du fil, avec de la tresse fluo. Donc voilà, et je pêche avec un leurre de chez Pacific Pêche qui sent le calamar. Là, il y a une minute, juste avant que je prenne la vidéo, je viens de prendre un brochet qui faisait la soixantaine, encore avec celui-là. Si je vous dis encore, c'est parce que la dernière fois, j'y suis allé il y a 3 jours avec un copain, on a pêché. Déjà, lui, avec ma canne, il a chopé un brochet qui faisait 62. Ensuite, il en a pris un qui faisait 60, mais bon, ça c'était à la cuillère. Et moi, j'en ai pris un de 56 encore avec ce leurre-là. Donc voilà, comme c'est un étang que j'ai jamais pêché, il y a du très très gros brochet. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un pêcheur, la dernière fois, il m'a dit qu'il pêche là depuis qu'il a 10 ans. Il a jamais pris de brochet qui est en dessous de 60 cm. Donc j'espère pouvoir en prendre un autre. Aussi, je pêche avec, comme d'habitude, ma petite canne spinning avec une cuillère Sussex numéro 4 avec le plomb 10 grammes. On va bien voir ce que ça va donner, mais pour l'instant c'est plus la casting qui donne des résultats qu'autre chose. Bon, je vous dirai si j'ai eu un autre brochet, si je peux le prendre en vidéo, si je vois qu'il est trop amoché, je le relâche tout de suite. Mais sinon, si je vois qu'il respire bien et tout, je prends la vidéo et je le relâche après. A tout à l'heure. Ouais, c'est parti, je crois. C'est parti, ouais. Donc bah c'est bon, voilà, donc par contre évite de prendre ma tête. Ok. Merci. Alors, deuxième brochet, avec encore le leurre qui sent... Oh merde, désolé. Encore avec le leurre qui sent le calamar. Et comme d'habitude, comme par hasard, au même endroit que celui que j'ai fait ce matin. Donc il doit faire un bon 40, hein Yann? Oh oui, un bon 40, un bon petit 40. Ouais. Regardez quand même la taille du leurre. Il a été bien pris quand même. Il était beau. Donc magnifique combat. Hein. Comme d'habitude. Donc je vais le relâcher avant qu'il perde un peu trop de mucus. On va le décrocher. Je monte à l'étang, non? Je monte. Putain, il avait voulu me chiquer lui, ce con. Allez, brochez, fais gaffe avec ça. T'inquiète pas. Bon, je prends l'étang en vidéo. Attends. Donc c'est un étang aspect. Hein. T'inquiète pas, c'est déjà pris ce matin. À côté de la route de la Vaudelle. Non, dis pas où est-ce que c'est, toi. Donc voilà, je vais le relâcher. Comme d'habitude, au même endroit que je l'ai pris ce matin. Oh bah. Bon bah voilà. Je crois que c'est fait. Bah merci Yann. Ouais, de rien. Salut, à tout à l'heure. Au revoir. On va en refaire un. Ouais.